Yo, salut à toutes et à tous les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Maxilar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Toujours dans le championnat 24 Italian Automotive. L'arrivée des Alfa Romeo, des Fiat et bien d'autres, les Lancia par exemple. Et on part pour cette nouvelle saison, saison hiver. Nous avons une chasse au trésor et un défi photo. Et exceptionnellement, pour la première fois sur la chaîne, nous allons faire à la fois la chasse au trésor et le défi photo au sein de la même et unique vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. On part d'abord pour la chasse au trésor avec la Lancia. Donc vous l'avez compris, on prend la Lancia Stratos, la HF Stradale de 1974. La voici avec cette magnifique déco à l'Italia officielle. Et donc, vous l'avez vu par rapport à l'intitulé du défi, on va devoir faire un jump, tout simplement un saut de n'importe quelle distance avec cette fameuse Lancia Stratos. Alors, on se met un marqueur sur le saut le plus proche sur notre map et on va y aller en roulant. Ce qui va me permettre de un peu vous parler de la chaîne, de l'évolution, de ce qui va arriver ou pas sur la chaîne. Oh, les jolis petits jumps pour aller retourner la voiture. Et on en profite pour faire un 3-6, magnifique, quelle concentration dans la conduite, c'est génial, bravo Maxila. Bref, du coup on disait plein de changements dans la chaîne. Déjà, ben, vous l'avez vu, ce nouveau nouveau style de contenu, nouvel agencement de contenu, je vous fais les chasses au trésor, défis photo, objets à collecter, tout ce qu'il y a au sein d'une même nouvelle saison, je vous le condense dans une seule vidéo, ça vous permet de tout retrouver sur une seule vidéo, et moi, ça me permet de faire une grosse vidéo plutôt que deux ou trois petites, ce qui me fait gagner du temps. Et du temps, j'en ai besoin actuellement, j'en ai besoin, mon travail en plus de YouTube c'est très compliqué et il y a énormément de sorties de jeux qui arrivent que j'ai envie de vous présenter, auxquelles j'ai envie de jouer, j'ai envie de vous diffuser aussi et de vous proposer du contenu sur YouTube comme Starfield, Forza Motorsport, le dernier Ride qui vient de sortir, Ride 5 et j'en passe, il y en a encore d'autres, du coup à un moment il faut que j'arrive à me dégager du temps et je dois faire des choix et donc voilà, on va un peu changer. Je vais ressortir un peu les shorts et on va essayer de faire ça au mieux pour la chaîne. Et alors qu'on arrive déjà sur ce saut, on est déjà au niveau du jump. Et là, comme dit, il n'y a pas besoin de faire de distance, on s'en contrefou, on fait juste une étoile sur un jump. Et voilà, défi trésor terminé. On peut regarder notre sélection de festival et on a l'emplacement sur la vignette. On va pouvoir partir sur la carte pour avoir notre zone de recherche. Alors, où quelle est la zone de recherche? Ok, nous sommes au niveau du Palazzo Azzurro dell'Oceano. On va se téléporter à proximité. Et du coup, n'hésitez pas, alors qu'on vient d'arriver à proximité, notre zone de recherche pour la chasse au trésor de cette saison. Hiver du championnat 24, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, si ces contenus vous aident. Et vous plaisent, et bien sûr le like en plus, un commentaire, n'hésitez pas, lâchez-vous, je me ferai un plaisir de vous répondre, merci à vous tous, à tous ceux qui le feront, pour ce soutien, vraiment ça fait évoluer la chaîne, j'en ai besoin, merci à vous. Et du coup, on arrive sur place, tout en haut de la butte, qui surplombe le Palazzo Azzurro, et nous voilà. Devant d'ailleurs un panneau XP que j'ai pas détruit, il y en a encore quelques-uns sur la map. Vous voyez à quel point j'ai pas le temps. Je vous fais vraiment les défis et j'ai même pas le temps de faire mes panneaux XP. Du coup, l'emplacement exact sur la carte, vous l'avez vu, on n'a plus qu'à détruire ce petit coffre au trésor, ce coffre-fort de la chasse au trésor. Et voilà, chose faite. Du coup, notre chasse au trésor avec la Stratos, c'est déjà terminé. Première partie de la vidéo. Bouclé. La chasse au trésor stratosphérique, c'est terminé. Bon, on peut passer à la suite. Deuxième étape de la vidéo, le défi photo fait sur la plage. Prenez une photo d'une Lamborghini à Playa Azul. Vraiment, rien de compliqué, encore plus simple que la chasse au trésor. Là, tout simplement se diriger vers Playa Azul, regardez, à droite sur la carte. Vous prenez Horizon Apex ou sinon on va prendre notre maison de joueur en guise de téléportation.
Et nous voici déjà sur place. Lugar Tranquilo, notre maison de joueurs de Playa Azul. Rentrons à l'intérieur quelques petites secondes, le temps de sélectionner notre fameuse Lamborghini à photographier. Allez, on va dans Lamborghini. On va sélectionner la Huracan STO. Qui, je crois, Sébastien Loeb, à mes souvenirs, en est un des heureux propriétaires d'une Huracan STO. À ce que j'ai pu entendre sur une interview récemment. Il en est d'ailleurs très content. Notre nonuple champion du monde des rallyes. Seb. Et voilà, on s'est mis un peu dans le centre-ville de Playa Azul. Et on va se mettre une petite position un peu dans les ruelles, vous allez voir. Une petite scène un peu sympa à prendre en photo pour en plus de compléter un défi photo, sortir avec un cliché assez sympathique. Vous me connaissez. J'aime bien faire de jolies photos, de jolies prises de vue dans ce Forza. Surtout quand on a un PC qui peut l'afficher dans de très bonnes résolutions. C'est juste magnifique. On vient de valider le défi photo et on a une magnifique photo avec ce coucher de soleil, cette lumière rasante. La Huracan STO peut garer sur le côté. Magnifique. J'adore cette prise de vue. Et du coup, on a déjà terminé. Fête sur la plage terminée. C'était tellement simple, cette photo de la Lamborghini au Playa Azul. Et du coup, eh ben on est au bout. On est au bout de cette saison hiver. Défi photo, chasse au trésor, c'est fait. Vous avez tout pour pouvoir avancer. Moi du coup, je vous embête pas plus longtemps. On reparlera un peu ensemble du remaniement de la chaîne. Mais en attendant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Vous étiez avec Maxilla. Ciao.